S'il te plaît, mets ta main sur ton cœur, nous prions. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je viens devant de ton Saint-Trône te demander d'accorder à chacun d'entre nous la capacité d'accéder à la compréhension révélée de ta parole. Que ta parole, dans sa souveraineté, dans son intégrité, dans ses pleins pouvoirs, dans sa puissance, apporte en nous un changement radical de paradigme mental. Qu'elle guérisse nos corps, qu'elle restaure nos êtres, dans le nom suprême de Jésus, au Dieu Tout-Puissant. Merci. Utilise ma langue en ce jour, éternel, comme un instrument habile, afin que chaque mot soit une parfaite illustration des vérités spirituelles. Que ton nom soit béni pour tous les pouvoirs et la puissance contenue dans ta parole, révélée par l'onction. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen trois fois. Amen. 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 Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Alors, ce matin, je vais enseigner. Et si Dieu permet à des moments de l'enseignement, je vais prophétiser. Le thème est tellement important que j'ai donc pensé qu'il faille enseigner et que tout le monde comprenne et que chacun d'entre nous, après cet enseignement, soit à même de le transmettre à d'autres personnes aussi simplement, car Dieu aime les choses simples. L'onction, ses privilèges et ses exigences. Le mot onction est l'un des mots les plus populaires, mais aussi incompris dans le monde charismatique. C'est-à-dire dans nos communautés où nous croyons en la puissance de Dieu. Et souvent même, et bien souvent, il est mal utilisé par ceux qui sont porteurs de l'onction. Parce que l'onction, c'est quelque chose de tellement mystérieux que vous pouvez transporter l'onction sans comprendre exactement ce que c'est que ce que vous avez dans sa plénitude. C'est mystérieux, l'onction. Et ça peut créer une réelle confusion dans le peuple pour les personnes qui veulent comprendre ou savoir. Sachant que la connaissance, ça fait partie des valeurs les plus sûres du royaume des cieux. La connaissance est bonne, il faut savoir, il faut connaître. Donc, lors de cet enseignement, je vais essayer avec l'aide du Saint-Esprit de vous apporter des réponses sur cinq axes précis. Premièrement, on va aller dans la définition de l'onction. C'est quoi l'onction? Pour que tout le monde comprenne, c'est quoi l'onction? Ensuite, qui peut avoir l'onction? Qui peut l'avoir? Est-ce que tout le monde peut avoir l'onction? Et après, comment donc on reçoit cette onction? Comment on la reçoit? Et comment on grandit dans l'onction? Quelles sont les exigences que l'onction place sur nous et quels sont ses privilèges? Donc voilà un peu ce que nous verrons au travers de cet enseignement. Revenons donc sur le premier point qui est la définition de l'onction. Prenez vos notes, hein, il faut vraiment noter. C'est quoi l'onction? C'est une capacité surnaturelle, une capacité surnaturelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du règne naturel. Elle est au-dessus de toute aptitude humaine. Capacité surnaturelle, au-dessus de toute aptitude humaine. Que Dieu donne à un humain pour accomplir les responsabilités qu'il lui a assignées sous le soleil ou sur la terre. Une capacité surnaturelle que Dieu donne à un humain pour accomplir les responsabilités qu'il lui a assignées sous le soleil, sur la terre. Je précise que j'ai souvent enseigné sur l'onction, mais lors de ma dernière, je veux dire, retraite, repos à New York avec mon épouse, j'ai été visité la nuit où le Saint-Esprit m'a enseigné toute une nuit sur l'onction. Donc, je sortirai quelques bribes de cet enseignement pour le rendre disponible ce jour. Donc, il y a deux types d'onction. Il y a deux types d'onction, deux types majeurs d'onction. Deux types majeurs d'onction. Premièrement, nous avons donc l'onction pour vivre pour Dieu. L'onction pour vivre pour Dieu. L'onction pour vivre pour Dieu.
C'est cette onction qui rend un enfant de Dieu capable de tenir dans ce monde sur les valeurs du royaume des cieux, de professer l'évangile, de marcher dans la droiture, dans l'intégrité, sans rechigner. C'est cette onction qui conduit justement l'enfant de Dieu à être enfant de Dieu. Sans ce pouvoir divin, Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Sans ce pouvoir divin, il est impossible pour vivre pour Dieu. Vous allez essayer, vous allez vous débattre, et en certain moment, la vie avec Christ va devenir tellement pénible que vous allez lâcher prise. Sans l'onction, vous ne tenez pas jusqu'au bout. Et pourquoi il faut être loin pour vivre pour Dieu? Parce que notre première mission, c'est d'être des témoins de Dieu. Et le témoignage de Dieu, c'est notre style de vie. C'est d'être des témoins de Dieu. Le témoignage de Dieu, c'est d'abord notre style de vie. Au milieu d'un monde corrompu, perdu, pervers, où le diable est en train de tirer tout le monde au travers des travers est vraiment inimaginable. Seule l'onction de Dieu te donne de tenir ferme sur les convictions saines et saintes de la parole de Christ. Lisons attentivement 1 Jean 2, verset 3 à 4. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne marche pas, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc Dieu dit, si tu dis que tu l'as connu et que garder ses commandements, vivre en conformité avec sa parole, ce n'est pas ta pratique. Alors Dieu dit, tu es un menteur. Et au verset 9 à 11, il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore quoi? Dans les ténèbres. Dans le monde charismatique, pentecôtiste et évangélique, quand on parle des commandements de Dieu, nous ne voyons que les péchés capitaux, la fornication, le vol, le mensonge, le commérage. Mais Dieu met une insistance majeure sur l'amour de son prochain. Aimer ton frère. Il dit, aucune occasion de lui, de chiner en lui. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire que la haine de ton frère peut obscurcir tes pas. Parce que tu es ton frère, ta marche devient obscure. Tu peux commettre des erreurs de trajectoire parce que ton cœur est habité par la haine. Les personnes compétitives font beaucoup de choses sans faire la chose que Dieu attend d'elles parce que les regards sont obscurcis. Donc la haine n'est pas bien. Détester son frère n'est pas bien. La jalousie n'est pas bien. Voyez, quand vous avez ce syndrome dans votre cœur, arrêtez-vous et criez à Dieu. Criez, car le commandement majeur, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc c'est par là que s'identifient les personnes qui sont ointes par Dieu. Cette capacité à aimer les gens. Aimer les gens tels qu'elles sont. Pas de façon calculée. Pas avoir de relation simplement parce que tel est ton PDG, parce que tel est riche. Et quand c'est le pauvre, il n'a même pas accès au numéro de téléphone parce qu'il n'a pas d'argent. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est des calculs. Cet enseignement va ouvrir vos yeux et vous préserver de tellement de choses qui se font au nom du Seigneur, sans le Seigneur. Verset 11, « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. » Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On voit dans nos églises des gens qui prient, « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi. » Et le voisin de gauche, quand on dit « Salut ton frère de gauche », tu vois, il y a un frère qui est toujours en train de se tourner une sœur à droite parce que la personne de gauche est indésirable. Ils sont imparables même dans la présence de Dieu. C'est incroyable, hein? Quand vous êtes pasteur, vous voyez des choses étranges, très étranges. Et c'est encore plus grave, j'ai vu des gens dans les palabres qui ont duré 7 ans, mari et femme. Mais qui sont assis ensemble, et qui sont dans la même voiture, mais ils sont en palabres.
C'est grave, hein? Là, vous voyez, l'amour. Quelqu'un dit après moi l'amour. Encore l'amour. Donc, vous voyez, si nous pensons que Dieu est avec nous parce qu'on réalise les grandes choses, je fais de grandes choses, je fais de grands programmes. Je vais donner des exemples simples, hein? Vous allez voir quelque chose de simple. Écoutez-moi très bien. Regardez, avec tout le respect que j'ai pour eux, tout le respect devant Dieu, les témoins de Jéhovah, je me suis beaucoup inspiré de leur vie. Vous voyez, les témoins de Jéhovah ne font pas de publicité, ne font pas de panneaux, ne font rien. Mais vous n'avez pas une église aussi redoutable. Et ce qu'ils font comme impact de maison en maison, c'est remarquable. D'accord? Ils font de l'impact. Ils ont des propriétés, ils n'en parlent même pas. Prenez l'exemple des Mormons. Les Mormons aux États-Unis, c'est presque un état pour eux seuls. C'est un homme avec une vision qui a mis le mouvement sur pied, les Mormons. Vous allez vous dire, ouais, ils ne sont pas de Dieu, etc. Mais regardez, si vous arrêtez souvent à ce que les gens ont fait, alors vous allez vous commencer à vous poser des questions. Adventiste du septième jour. Ah oui, oui, aux États-Unis, ils ont toute une ville. Loma Linda, en Californie, aux États-Unis. Et là, c'est la ville où on vit le plus longtemps sur Terre au monde. Ils ont décidé de faire le jardin d'Éden sur Terre. Vous avez les meilleurs manguiers, les meilleurs avocatiers, tout ce qu'il y a de meilleur est là-bas. Ils ont des médecins, tout. Les gens sont à vélo, ils marchent, ils vivent 115 ans. Quand tu vois quelqu'un à 80 ans, il est encore en train de courir. Voyez-vous? D'accord, très bien. Et puis nous, on parle en langue. Mais à 45 ans, on ne peut plus, on a la mort. Voyez-vous? On dit on a la puissance, on dit power, power. Mais à 45 ans, on n'a plus d'énergie. Voyez-vous? Donc il faut faire attention, il faut faire très attention à notre manière de voir les choses. Et c'est tellement, tellement embêtant que j'ai vu dans nos communautés des charismatiques où nous pensons que la puissance est juste rattachée au fait de Hanarababa, Hanarababa, crier. J'ai vu les gens célébrer une voiture achetée en occasion. C'est-à-dire, elle achète en occasion et puis il fait une fête. C'est occasion. D'abord, bon, pas occasion, mais dette, en dette. Il a pris à crédit. Occasion, encore ça va. Crédit. C'est-à-dire, il va, il dit, OK, je veux une voiture à crédit. Je vais payer dans 5 ans. Et puis, il fait la fête aujourd'hui. Mais c'est à crédit. Une maison achetée à crédit et une fête que Dieu a avec moi. Mais, attends, à crédit. Vous savez, nous sommes tellement petits dans nos têtes, tellement petits, que je pense que le corps de Christ a besoin d'onction. L'onction nous permet d'avoir la perception divine des réalités. La perception divine des réalités. La perception divine des réalités. L'onction nous sort de la limitation raciale, de la limitation culturelle, pour nous amener à voir les choses avec le regard divin. Il faut que nous grandissions par la foi. Demande ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Une petite réalisation, même pas sur 2000 mètres carrés, et alors tu penses que tu es le champion international. On doit faire attention, voyez-vous, très attention. La marque première de la présence de Dieu à nos côtés, c'est l'amour de Dieu que nous avons pour nos frères. L'amour pour nos frères. L'amour pour nos frères. Vous ne pouvez pas avoir l'onction de Dieu dans votre cœur et puis marcher dans la haine. La raison pour laquelle beaucoup de pasteurs, beaucoup d'oints de Dieu, entre griffes, n'ont pas une fraîche grâce. Et en certains moments, les messages deviennent lassants. C'est parce que le vase qui est porteur d'onction, le canal conducteur, est rouillé par la haine. Là, c'est rouillé par la haine. Donc, ce qui sort de là est pollué. Qui peut avoir l'onction? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Révita, qui peut avoir l'onction? Si l'onction est donnée pour que chacun vive pour Dieu, alors qui peut avoir l'onction? Est-ce que l'onction est quelque chose de réservé à une classe d'élite? Qui dit non, qui lève la main? Non, qui dit non, c'est réservé au pasteur, lève la main. L'onction est réservée au pasteur, lève la main. Ok, très bien. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance qui est plus volumineuse, et il y a la nouvelle alliance qui est plus petite. On a tendance souvent à chercher nos messages dans l'ancien. Mais ce qui est ancien n'est pas nouveau. Et quand quelque chose est nouveau, c'est que ça remplace l'ancien. Dans l'ancienne alliance, l'onction était réservée
simplement à ceux qui étaient au service de Dieu. Maintenant, la nouvelle alliance, je vois les déchirer de haut en bas. Quand on est né de nouveau, on reçoit l'onction. Et cette onction nous permet de vivre pour Dieu. Arrêtez-vous là un moment. N'acceptez pas seulement parce que j'ai dit. Je peux me tromper. Laissons dire la Bible. La Bible est plus éloquente sur les sujets que les hommes. 1 Jean 2, verset 27. Regardez, regardez ce qu'il y a dit. 1 Jean 2, 27. Regardez ce qui est écrit. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Quand vous lisez le texte, il parle des pères, des jeunes gens et des enfants. Il parle de cette onction qui demeure sur les trois catégories de personnes. Donc ça veut dire que toute personne dans le royaume des cieux a l'onction. Mais cette onction, c'est l'onction pour vivre pour Dieu. Ça, c'est la première étape. Maintenant, écoutez-moi très bien. Si vous désirez le deuxième type d'onction, vous devez développer la conscience du service. Si vous voulez développer cette onction, vous développez la conscience du témoignage. C'est-à-dire, je suis un témoin de Dieu. Je dois vivre pour Dieu. Je dois aimer Dieu. Je dois me tenir comme je le veux. Maintenant, il y a une autre onction que tu dois avoir. Celle-là, c'est pour accomplir les responsabilités que le ciel t'a assignées. Dis, je reçois cette onction. Encore, je reçois cette onction. Alléluia. Donc, si tout le monde peut avoir l'onction, est-ce que toi, tu as l'onction? Est-ce que tu as l'onction? Est-ce que tu as l'onction? Regardez ce texte, regardez ce texte. On va revenir. Marc 16, versets 17 à 18. Parce que je veux qu'on comprenne. C'est vraiment qu'on comprenne. Je vais aller calmement. Marc, regardez. On lit ensemble, 1, 2, 3. Voici les miracles qui accompagneront. Stop. Ce miracle accompagne les pasteurs. Non, vous lisez la Bible comme elle dit. Hein. Ça accompagne les pasteurs. Ça accompagne qui? Est-ce que ceux qui ont cru incluent toi? Très bien. Allons-y, continuons. Ils chasseront les? Alors, dites-moi, pourquoi vous pensez que chasser les démons, c'est une affaire de commandos? C'est une affaire de pasteurs. Chasser les démons, c'est l'affaire de qui? Non, attendez, voyez, c'est l'affaire de qui? Alors, qui a cru parmi nous qui lève la main? Donc, ça veut dire que si un démon se manifeste chez toi, est-ce que tu amènes la personne à l'église? Tu fais quoi? Tu le chasses. Mais si tu n'as pas pris conscience de ta capacité à chasser, tu vas l'amener à l'église. Mais ne t'amuse pas. De la maison à l'église, il peut mourir. Ils parleront de... Qui parle de la hendorobo, chata, brendo, rakata, kaboro. Ils parlent de nouvelle langue. Très bien. Donc, nous tous, nous parlons de nouvelle langue. Donc, ce n'est pas réservé au pasteur. Continuons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mots aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Pour vous montrer que ce texte n'est pas réservé au pasteur. Revenons au verset 16. Regardez ça. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Après, Jésus dit, voici les signes. Les miracles. Ça veut dire quoi? Que quand tu as cru, il y a beaucoup de gens qui vont parler de Jésus. Mais je vais vous montrer comment vous allez les reconnaître. Quand vous verrez quelqu'un qui prie et les malades sont guéris, quelqu'un qui chasse les démons et qui parle de Jésus, alors ne doutez pas, ce gars-là, il a vraiment cru. En fait, ce sont des signes qui attestent que quelqu'un appartient véritablement au royaume. En d'autres termes, toute personne qui est née de nouveau est surnaturelle et manifeste une puissance au-delà de la puissance normale. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup de médecins dans nos familles, chaque enfant de Dieu devient un médecin de famille. Ta manière de dire amen m'embête. Pour détruire et ruiner tout type de maladie qui pendant longtemps a survécu dans ta famille. Je déclare établi que toi-même à l'instant, tu es débarrassé de tout mal. Et la santé divine prend place dans ton corps. Donne-moi trois bons amen. Alléluia. Je vous raconte une histoire. J'arrive en Sierra Leone, on prêche, j'avais, je crois, 26 ans. À l'époque, on marchait, on prêche l'évangile, on est à l'école de mission. Et le soir, on a une croisade. On prêche l'évangile au marché, une dame musulmane se convertit et elle donne son cœur à Jésus.
Et elle nous dit, pasteur, on a un enfant qui est malade à la maison. 14 ans, c'est mon fils. Il n'a jamais marché. Regarde, il est à peu près 13 heures. Je regarde la montre et je regarde les autres. On ne peut pas aller, on demande, c'est très loin. Et on est fatigué. Alors je prends la Bible et je dis, lis ça. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Je dis, est-ce que tu as cru? Elle dit oui. Je dis, répète après moi, la puissance de Dieu est dans mes mains. Elle répète, la puissance de Dieu est dans mes mains. Donc, je fais la confession comme je fais avec vous. Sauf qu'elle, elle venait d'être convertie. Donc, elle n'a pas eu le temps d'être familier à la parole. Donc, elle a cru tout de suite ce qu'on a dit. Et ce sont les anciens de l'Église qui méprisent la parole. Ce sont les nouveaux convertis qui croient à la parole. Souvent même, c'est les pasteurs qui ne croient pas. Vous allez vous rendre compte que quand on dit prier, le peuple veut prier, c'est les pasteurs qui aiment dormir. C'est une réalité. C'est une réalité. Je suis aussi pasteur. C'est une réalité. Les gens aiment la prière. Les gens veulent être spirituels. Mais c'est pas ça qu'ils veulent pas être spirituels. Parce qu'on est familier à la Bible. Dans la femme, elle est partie elle, comme ça. Elle a dit, la puissance de Dieu est dans mes mains. Je l'ai vue partir. Le soir, quand elle est revenue, moi-même, ça m'a bouleversé. Elle est venue au programme. Quand on est venu au programme, on voit une dame avec un enfant. Le gars était... Tu sentais que les pieds avaient été fatigués par la maladie. Mais le garçon marchait. De cette manière, la femme avait tenu son enfant et elle disait à tout le monde, ces gens-là, c'est eux qui m'ont donné la puissance. Et son enfant s'est levé de son lit. Je déclare que la puissance de Dieu se fera voir par ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Mais tu sais quoi? Si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Si tu n'as pas, tu as un pistolet, comme nous on a grandi avec des pistolets à la maison. Si tu n'as pas tiré, tu ne sais pas si ça peut tuer quelqu'un. C'est dangereux, mais si tu n'as pas utilisé, tu ne sais pas. La puissance est en toi. Amen. Le pouvoir divin est en toi. Amen. Dis, je suis loin. Je suis loin. Ah non, dis encore. Je suis loin. Une troisième fois. Je suis loin. Alors, vous avez des textes. Oh, ouais. Bon, ah, ne touche pas à mon noir. Moi, je suis loin de Dieu. Ne faites pas du mal à mon noir. Et nous, les pasteurs, on a pris ça pour en faire un test pastoral. Yeah. Ce n'est pas un test pastoral. C'est pas un test, je suis désolé, c'est pas un test pastoral. Et dans le contexte, moi j'étudie la Bible, dans le contexte où c'est dit, c'était pas un pasteur. C'est David qui le dit pour Saül. Dans ce contexte, Saül est-il pasteur? Non. Saül est-il prophète? Non. Il est quoi? Roi. Il est roi. Quand on dit ne touche pas à mon noir, on ne parle pas d'un homme de Dieu. Non. On parle d'un roi. Ça veut dire, on parle du chef d'État. On parle de quelqu'un qui est dans la politique pour vous démontrer que l'onction n'est pas pastorale. Exclusivement. C'est aussi clair. On parle de quelqu'un qui est quoi? Roi. Ne touche pas à mon roi. Qu'est-ce que ça veut dire, roi? Quelqu'un que Dieu a choisi. C'est simple. Est-ce que Dieu t'a choisi? Non, 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 réponds-moi bien. Est-ce que Dieu t'a choisi? Alors Dieu dit, ne touche pas à celui que j'ai choisi. Il t'a tellement choisi que même à Saül, il n'a pas donné la permission de l'appeler père. Saül ne pouvait pas le voir face à face. Mais il t'a tellement choisi qu'il a décidé de quitter son trône, de changer de forme, de venir résider dans ton corps, d'habiter en toi. Ah, mon frère, si tu n'es pas loin, qui est loin? Non, si tu n'es pas loin, qui peut être loin? Si toi, tu n'es pas loin, qui est loin alors? Sérieusement, le Saint-Esprit habite dans ton corps. Honnêtement, dans ton corps. Et puis tu dis que tu vas chercher l'onction ailleurs. Qui est où? C'est toi qui es où? Il est en toi. Alors qu'est-ce que le diable essaie de faire? Nous faire croire que ce n'est pas possible. Non, ouais, si c'est papa Wafo, c'est bon. Si c'est papa Antel, c'est bon. Mais moi là, non. Non, 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 non. L'onction est la conséquence d'une grâce. Une grâce est une faveur imméritée. Donc Dieu t'a choisi. Il t'a fait grâce. Il t'a donné l'onction. Dis, je suis loin. Encore. Je suis loin. Alors à partir de ce moment, si tu es loin, tes résultats ne doivent pas ressembler aux résultats humains. C'est pourquoi moi je vais vous dire une chose. Je suis fatigué de voir les gens associer l'onction au fait que les gens tombent. L'onction est la révélation de l'intelligence élevée de Dieu. Quand il y a l'onction quelque part, il y a l'intelligence, l'excellence, il y a la perfection. Vous ne pouvez pas être médiocre avec les micros qui vont craindre. Vous dites, vous avez l'onction. Il n'y a pas d'onction. C'est quelle onction? Il y a peut-être la manifestation du don de Dieu. Le don peut agir sans qu'il y ait l'onction. Le don, Dieu ne s'en répand pas. Hein?
Quand Dieu t'a donné un don, il ne se répand pas. Don de guérison, il ne prend pas. Don de foi, il ne reprend pas. Non, non, non. Mais quand c'est l'onction, c'est différent. L'onction vient avec la présence, avec la personne de Dieu. Comment je sais qu'une réunion a de l'onction? Quand les gens sortent de la réunion, ils ont une seule envie. Je veux me rapprocher de Jésus. Je veux l'aimer davantage. Mais si c'est une réunion, après on sort. Tiens, non, l'homme là, il est puissant. Ce n'est pas l'onction, c'est le don. Parce que le don donne à la personne d'être valorisée. Alors que l'onction a-t-il les regards sur Christ? Voilà la différence. Sur Christ, l'onction attire sur Christ. Le don sur la personne. Donc quand le don se manifeste, mais toi comme tu es loin, ton comportement fait que les gens quittent ta personne et vont au contact de celui qui t'a loin. C'est pourquoi vous devez apprendre à connaître l'ancien. À vivre avec l'ancien. C'est très important. La Bible dit l'ancien nous enseigne. Nous enseigne. Donc il y a deux types d'ancien. Il y a l'ancien pour vivre, il y a l'onction pour servir. Éphésiens 2, verset 10. Regardez ce texte. Simple, j'ai dit, j'enseigne, je veux vraiment enseigner. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous l'ayons. Alors, si Dieu a préparé une œuvre d'avance, afin que tu la pratiques, et a préparé une œuvre, afin que tu la pratiques, alors, est-ce que tu es en train de servir Dieu ou pas? Non, je te pose une question. Oui. Dieu prépare une œuvre pour que tu la pratiques. Et si cette œuvre est que tu sois un charpentier, que tu sois un mécanicien et que tu pratiques la mécanique, est-ce que tu es serviteur de Dieu? Bien sûr. Parce qu'à partir du moment où tu sais les œuvres de Dieu, tu es serviteur de Dieu dans la mécanique. À partir du moment où tu gagnes l'argent, tu es serviteur de Dieu dans les finances. Tu es serviteur de Dieu dans la politique. Tu es loin de Dieu dans le domaine où Dieu t'a placé. Et c'est pour ça qu'il faut solliciter le service des oints. Quand les gens oints te touchent, sont avec toi, des choses excellent. Amen. Non, c'est très important. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, il est important de travailler avec l'onction de Dieu. L'onction pour le service. Ce genre d'onction-là, pour le service, c'est cette onction qui brise le joug. Esaïe 10, verset 27. Qui brise le joug et qui ôte le fardeau. J'ai appris à moi, brise le joug. Encore. Et ôte le fardeau. Donc ça veut dire que quand Dieu, écoutez-moi bien, oh, je prie que Dieu ouvre notre intelligence et que nous le comprenions. Quand tu es loin quelque part dans un domaine, Dieu te permet de briser le joug du domaine et d'ôter le fardeau du domaine. Ça veut dire que si Dieu oint un des chefs d'entreprise que nous avons ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des emplois de façon remarquable, dont le joug de la pauvreté sera brisé à cause de l'onction que Dieu lui donne. Quand l'onction de prospérité est descendue sur Salomon, l'argent était commun partout. Même jusqu'au sol, on trouvait l'argent. Pourquoi? Parce que cette onction est descendue. Dans le joug de la pauvreté était brisé. C'est ce que ça fait. Ce n'est pas pour que tu aies des choses pour toi. C'est pour libérer les choses pour les autres. Demande encore ton meilleur amen. Je lève ma main vers le ciel en vertu de la grâce qui m'a été accordée. Je déclare la liberté dans ton domaine financier au nom suprême de Jésus. Que Dieu libère ton âme de toute forme de captivité au nom suprême de Jésus. Que la mentalité d'esclave soit totalement incendiée. Que les forteresses tombent et que la grâce que j'ai te permet de sortir du poids de la limitation au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Donc c'est important de comprendre ce que l'onction fait, c'est une capacité surnaturelle. Dis après moi, surnaturelle. Encore. Et elle est aussi mystérieuse. Hein? Je vous raconte un peu le côté mystérieux de l'onction. Vous savez, vous pouvez marcher avec quelqu'un tous les jours, vous êtes avec lui, vous le côtoyez, mais il y a un mur entre lui et vous. Vous n'avez jamais accès à son onction. Ce mur-là, j'en parle lors d'un prochain enseignement, ce mur est appelé le mur de la familiarité. Vous marchez ensemble. Vous êtes là, vous marchez, mais vous ne recevez pas. C'est le problème de Géasi avec Élisée. Ouais. On lui a donné le bâton, mais il ne pouvait pas prendre l'onction. On te donne la position, mais tu n'as pas l'onction. On te met même adjoint, mais quand tu pars, tu n'as pas l'onction. Parce que quand tu as l'onction, l'ADN même,
de cette onction que la personne ouais. transporte est visible en toi. Ouais. Quand quelqu'un a une grâce que quelqu'un d'autre transporte, on le voit tout de suite. Ouais. Vous savez à quoi ressemblait Jésus? À moi. Ouais. Parce que, étant appelé par lui et étant loin par lui, j'ai les particules de sa grâce. Amen. Donc quand vous commencez à voir comment je travaille, vous pouvez remarquer comment Jésus travaillait. Parce qu'il y a une similitude de l'ADN de l'onction qui descend sur toi quand tu es en haut. C'est important de comprendre ça. Très important d'assimiler, de vraiment assimiler profondément ces vérités. Un jour, je voyage et puis la responsabilité de prêcher la parole incombe à Dame Danielle Wafo. Elle vient dans le bureau. Et puis, c'est pour ça que quand vous êtes vous devez être conscient du fait que vous êtes vraiment très conscient. Je vous dis la vérité, vous êtes conscient. Vous êtes mari d'une femme, mais la femme n'a pas épousé ton onction. Elle a épousé l'homme, mais n'a pas épousé l'onction de Dieu. On ne marie pas l'onction. Si tu n'as pas honoré l'onction, tu ne l'as pas. Même si tu es femme, mais tu n'as pas honoré l'onction, ça ne te touche pas. L'onction a des respects comme pour ceux qui l'honorent. Elle est venue à la prière du Seigneur. Je veux l'onction qu'il y a sur la vie de cet homme, mon mari. Je veux prêcher avec son onction. Elle est venue s'asseoir sur ma chaise du bureau. Et la grâce est entrée en elle. Et quand elle rendait ministère d'après elle, elle a ressenti cette grâce opérer. Sauf que cette onction qui opère par ma vie a des exigences. Et donc quand elle a agi, l'exigence de cette grâce allait commencer à se placer sur elle. 1h du matin, elle n'a pas sommeil. 2h du matin, elle n'a pas sommeil. 2h du matin, elle n'a pas sommeil. Et l'onction lui dit, hey, ma chérie, tu as demandé l'onction de ton mari. T'as vu ton mari dormir tôt? Et la prochaine fois, elle m'a dit, non, je ne veux plus, Seigneur. Non, je veux pas. Je ne veux pas ça, je veux. Amen. Voilà, très bien. Donc, vous comprenez, il y a d'exigences. Quand Dieu te oint, l'onction a une exigence. Quelqu'un dit après moi, exigence. Donc, quand vous ne comprenez pas l'exigence de l'onction, vous avez l'impression que vous êtes perturbé. L'onction vous enseigne. L'onction vous enseigne. L'onction vous enseigne. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. C'est pourquoi ne vivez pas seulement selon les enseignements de votre pasteur. Vivez selon les enseignements de l'onction. Le pasteur enseigne, mais il faut que l'onction filtre. Et que l'onction te donne ce qui est à toi. L'onction enseigne. Reçois les enseignements de l'onction. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'onction enseigne. Dans ces exigences, trois fois de suite, hein. Trois fois de suite, le Seigneur m'a dit fais du sport. La troisième fois, on est à Dakar. Et le Seigneur me dit, fais du sport. 2007. Et je me vois en train de courir. Et il me dit, tu es en bonne santé. Donc, je conclue que Dieu me dit, si tu fais du sport, tu auras la santé. Alors, pourquoi Dieu ne peut pas me donner la santé sans que je fasse du sport? C'est pas quand même me mettre à genoux pour dire, Seigneur, je te reçois la santé. Et puis, voilà, j'ai vu des gens qui prennent des repas, ils mettent. Il y a plein de graisse, hein. Seigneur, enlève la graisse de mon repas. Au nom de Jésus-Christ. Et puis, authentique, enlève la graisse qu'il y a dans le repas, sanctifie ce repas, enlève toute la graisse, et puis, voilà. Et... Vous voyez? Donc, j'ai commencé à faire le soir. Vous savez, quand je prêchais les premières fois de mes prêches, je te dis, je peux faire 2 jours avant de me lever. Le corps est fatigué, la main ici, mal, dos, ma femme, je suis cassé. Parce qu'en fait, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre la misère de l'onction, l'onction que tu portes peut te tuer toi-même. Si tu n'as pas été regardant sur les exigences, l'onction te tue. L'onction va tellement secouer ton corps que paf, tu tombes, tu t'en vas. Parce que tu n'as pas géré la fréquence de la grâce que tu as. Donc, chaque personne a des dons, mais les dons ne paient pas de la même manière. On est ouin, mais on n'est pas ouin avec le même type. Il y a des gens qui doivent enseigner calmement. Ça, c'est leur type. Mais quand Dieu t'a donné d'être quelqu'un qui parle, et puis quelqu'un aux États-Unis, il saute dans sa maison, il danse. Frères et sœurs, c'est une énergie qui sort. Quand ça sort, tu sens ça passer dans tes tripes. La parole est portée par l'énergie. Qu'est-ce que tu penses que ça fait à ton corps? Ça vibre dans ton corps. Hier soir, elle m'a touché. Elle a crié, wow. Je l'ai calmé tout de suite, je sais que c'est l'onction. Elle a crié, wow, tu chauffes. Mais c'est normal, j'ai passé toute la semaine à vibrer. Donc, l'onction est déjà... C'est en train de... C'est dans le corps.
Donc, si je ne faisais pas le sport, j'ai un problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important. Et vous devez écouter les enseignements de l'onction. Une autre chose que je vais dire à quelqu'un qui aime Dieu, écoutez le Saint-Esprit. Écoutez-le. Écoutez-le, frères et sœurs. Vous savez, on est à table en Sierra Leone. Je n'ai jamais oublié ce jour où j'ai 26 ans et demi. Je suis à table avec des missionnaires. Et on est là, on mange, on va manger. Et on a préparé cassava live. Vous savez, vous voulez manger de bons cassava live avec les feuilles de manioc, là. Ah, les Sierra Leonais et les Libériens sont très dangereux dedans. Ça dit, ça, c'était un plat. Quand ça arrive à table, moi, je suis à l'aise. Ouais, tu es content. Tu vois, le plat est venu à table. Là, tu vois, il y a dedans, il y a un crabe, il met tout type de viande. Et puis, tu vois, il y a une lamelle d'huile rouge là, qui traverse. Là, ça, tu sens, ça pèse comme des nerfs, là, c'est comme des veines dans le repas. Donc, après une journée de travail, tu es content pour manger. Et ce jour-là, le Saint-Esprit me dit, écoute-moi bien, le Saint-Esprit me dit, tu ne manges pas. Va dans la chambre, je veux te parler. Il m'a dit, je veux te parler. Je dis, Seigneur, laisse-moi manger. Et puis, on va parler après. Le Seigneur me dit, ici, tu n'es pas prêt à abandonner la nourriture pour moi. Il y a des choses que tu n'obtiendras jamais de moi. Je ne vais pas venir à l'église pour dire abandonner la nourriture pour avoir les choses de Dieu. Ça, c'est l'enseignement de l'onction qui m'a donné à moi. Je ne vais pas enseigner ça à toute l'église. Il y a des gens à qui les gens enseignent, l'onction dit ne regarde pas la télé. Maintenant, il y a à l'église, ne regardez pas la télé. Non, ce n'était pas pour tout le monde. C'était pour toi, pour ta consécration. Il y a des gens à qui l'onction peut dire porte le foulard. Parce que toi, tu as tendance à séduire tes cheveux. Et tu sais, le Seigneur te dit attache tes cheveux. Tu ne vas pas venir dire, non, mais soeur, j'ai une révélation, on doit tous attacher ta tête. C'est à toi, l'enseignant a dit d'attacher. Attache ta tête, parce que toi-même, tu connais les problèmes de ta tête. Attache bien ta tête et laisse les autres avec leurs cheveux. C'est à toi, l'enseignant, à enseigner. Donc, marche avec les enseignements de l'enseignant. Une autre fois, vous savez, les trois premières années de mon ministère, très jeune, 3 jours à sec tous les débuts de mois. Premier jour, à sec. Après, mais c'était l'onction. Qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté? Vous ne pouvez jamais grandir dans la grâce si vous n'êtes pas discipliné à l'écoute de la voix de l'onction. Impossible. La voix de l'onction te parle. Tout le monde peut manger, mais l'onction te dit tu ne manges pas. Je te dis, ça va commencer à te causer des problèmes. C'est pourquoi, quand vous êtes loin, enseignez à vos femmes à connaître la grâce que vous portez. Hey, vos affaires, vous dites, là, on est toujours à deux tout le temps. Hey, un homme de Dieu qui ne sait pas être seul, ça devient un homme de femme. Non, un homme de Dieu qui ne sait pas être seul devient un homme de femme. Parce que si tu es homme de Dieu, Dieu te veut avec lui, souvent seul, à part. Je prends le temps dans la prière et le Seigneur me dit, je lis les livres. Dès que je prends un livre, j'ai mal à la tête. Je laisse le livre, je prends la Bible, c'est normal. Et puis le Seigneur me dit, laisse le livre de côté. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, tous ces hommes, écoute-moi bien ce qu'il m'a dit, tous ces hommes à qui j'ai parlé ont le même Saint-Esprit que toi. Si tu prends l'habitude de les lire maintenant, tu ne comprendras pas l'ADN de ta grâce. Le prototype que je veux faire de toi. Lis la parole et laisse-moi te parler. Alors, quand je lisais la Bible, je souligne la Bible. Quand je prends la prochaine fois pour lire, il me dit, change de Bible. Ne lis plus la Bible où tu as souligné parce que tu auras tendance à t'arrêter sur ce que j'avais dit hier. Dans le même verset biblique, je veux dire quelque chose différemment. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'enseignement de l'ancien. Et c'est pourquoi, vous avez entendu, comment est-ce que j'ai développé l'écoute de la voix de Dieu? C'est parce que Dieu m'a parlé dans la Bible. J'ai appris, je connais quand Dieu me parle. Si vous demandez à ma femme, qu'est-ce qui fait la force de votre mari? Elle va vous dire, ce gars-là, s'il t'a dit, ne pars pas à gauche, ne pars pas. C'est clair et net. Pourquoi? Comment j'ai développé, frère? C'est pas sorcier. La relation avec les Écritures. Écoutez ce que Dieu dit. Et puis quand, après les 3 ans sont passés, écoutez bien, ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai ouvert les livres de Kenneth Hagin. Je lis et je tombe sur une révélation que Dieu lui a donnée. Et Dieu m'a donné la même. Je pars dans mon cahier, je vois la même chose. Je lis. Oh, mon Dieu. Quel est le complot? Même chose. Je lis.
Oh, il répond, même chose. Après, le Seigneur me dit, tu ne remarques pas que je vous ai dit les mêmes choses. Alors, si j'avais lu ce livre avant, je n'aurais pas compris ce que Dieu voulait pour moi. Et il m'a dit, regarde comment ils sont tous. Tu fais partie de leur race. Tu fais partie de leur espèce. Tu fais partie de leur dimension. C'est pourquoi je ne peux pas accepter que je sois petit. Donc, en fait, quand je les regarde, là, c'est l'indicateur. Si je suis en aiglon et qu'ils sont des aigles, c'est que forcé, je serai en aigle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi ton meilleur amen. Mais qu'est-ce qui te fait découvrir ça? C'est l'onction. Qu'est-ce qui tue les jeunes serviteurs de Dieu? Hé, hey, voilà, je porte une grâce. Hein, venez vous connecter. Hein, et puis tu viens. Hein, je vois Dieu me dit, je me dis qu'il fait de toi un grand. Ah, je te vois, tu es un apôtre. Je te vois faire voir 200 000 membres. Ah, je vois, tu chantes de ville. Tu pars. Frère, le plus grand danger, ce sont ces choses. Parce que tant que ces choses sont dites et que l'onction ne t'a rien dit, Dieu te résistera. Ça ne viendra pas. Là, donc Dieu va te résister. Parce qu'il faille que ces paroles soient la confirmation de ce que Dieu t'a dit lui-même. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Ce que l'onction crée comme privilège, c'est que quand tu apparais quelque part, ce n'est pas toi qu'on voit. Il y a une fréquence. Vous allez vous rendre compte, si vous êtes autour de moi, que même quand les papas viennent, les gens, il y a une peur naturelle. Même ma propre mère, il y a une peur. C'est pas, je suis quelqu'un de simple, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de bien, quelqu'un. Mais quand on me voit, il y a toujours les gens. Mais c'est ma grâce, c'est comme ça qu'elle est. Ma grâce, comme elle est tellement autoritaire dans le changement des paradigmes, quand les gens s'approchent, ils ont un peu peur. Ils ont peur, ils ne savent pas comment faire. Quand ils viennent, même les mots pour placer, ils ne savent pas comment placer. Je dois aider pour que tu parles. À cause de l'onction qu'il y a, c'est tout à fait normal. Parce que je porte quelque chose qui éradie la fréquence. Tout autour. Donc quand je sors, je dégage une lumière. Donc si je te tire et que je t'amène dedans, c'est que j'ai voulu que tu entres. Yes. Je t'amène, je sais où tu es. Je t'amène dans le rayonnement. J'ai voulu que tu entres. Mais cette grâce-là, elle éradie et elle protège. Dieu me l'a montré en jouant en vision. Comme une grande lumière. Vous voyez, quand les stars viennent sur un podium, vous voyez une grande lumière autour d'eux. Ils zooment comme ça, paf. Le Seigneur m'a dit, voilà ce qui se passe quand tu te déplaces. Pas seulement moi, mais quand toi, tu te déplaces. Il y a cette lumière qui t'accompagne. Alors, il y a cette lumière qui t'accompagne. Et c'est pour ça que ta meilleure position, c'est au milieu des ténèbres. Quand tu arrives au village, oh, comme c'est trop noir là-bas, ta brille, ta lumière, pam, 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 pam. On dit, mais qui est ce gars? Qui est ce gars qui est arrivé? Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu saches qui tu es, personne ne te fera peur. Quelqu'un dit, je suis loin, encore, et je ferai des exploits dans ma génération. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. J'ai l'impression que l'onction qui se dégage sur la chair n'atterrit pas bien derrière. Vos réactions derrière m'intriguent. Non, non, non. Faut pas prendre la malédiction de la queue. Dis, je suis la tête. Même si je suis au fond. Déclare-le bien. Même si je suis au fond. Alléluia. Frères et sœurs, ce que l'onction fait de particulier, c'est que tu n'as pas besoin d'être à la première rangée pour qu'elle te touche. Amen. Dis-moi, tu viens de quel pays, toi? Je viens du Congo. Congo. L'ancien a touché au Congo. Il est venu au Congo. Il n'est pas venu les mains vides. Amen. Les mains remplies. Amen. Ce sont les privilèges de l'ancien. L'ancien amène les gens à prendre l'avion en trois pièces, sapés pour te rencontrer. Si tu travailles avec le cœur de Dieu, Dieu va faire des choses incroyables. Dans tous les cas, ce que tu transportes, tu dupliques dans le royaume. Tu dupliques dans le royaume. Tu dupliques dans le royaume. J'appelle la duplication de cette grâce dans ta vie par le pouvoir élevé, dans le nom suprême de Jésus. Tu ne pourras pas mourir pauvre. Tu ne feras pas du surplace. Tu progresseras. Tu rayonneras. Tu te positionneras dans le nom suprême de Jésus. Car cette onction est sur toi. Donne-moi ton meilleur amen. On a une autre soeur qui est venue la France se faire baptiser. Elle est où? Faut pas jouer avec l'onction. Hein. Ne jouez pas avec l'onction. Ne jouez pas avec l'onction. Vous avez tellement la chance. Tellement. Je bénis le Seigneur parce que c'est depuis 2021 que j'ai vu papa par hasard sur l'écran.
et ma vie a changé. J'ai déménagé. Ma soeur qui était vraiment malade avec l'écran, elle a retrouvé sa vie de... Excusez-moi, pardon. Ce n'est pas l'argent. Mais reprendre sa vie en main, c'est plus que l'argent. Amen. L'enfant fait des choses extraordinaires. Quand vous voyez ça, frère, quand tu penses aux retombées dans la vie des gens, c'est incroyable. J'ai vu des gens s'arrêter aux aéroports, s'arrêter. Pasteur, tu, vraiment, oh, alléluia, oh, je t'ai vu. Et puis je regarde. Je t'ai vu, pasteur. Pasteur, attends-moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche un guichet automatique. Et je s'arrête à l'aéroport. La personne va trouver un guichet. Pasteur, je regarde, j'ai dit, hey, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un homme pauvre, pas une seule fois, plusieurs, enlever leurs bijoux. La dernière chose venue, j'étais devant l'hôtel. Je dis, papa, pardon, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire? Même si c'était mes cheveux, la prends. Je veux tout te donner. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissent Christ dans ta vie. La plus grande bêtise qui puisse arriver, c'est que tu commences à vivre pour ça. Le battement de ton cœur sans que ces personnes soient meilleures, qu'elles deviennent des champions, que tu les amènes à Jésus, pas à toi. Si tu abuses les gens, l'onction te quitte. On ne perd pas les dons, mais on perd l'onction. Alors, vous voyez, les gens, ils commencent à fabriquer les choses. Ils commencent à faire, il faut que, oh non, on assombrisse un peu, on fait ci. Je crois au modernisme, mais pas au détriment de la présence. Je crois au modernisme, mais pas au détriment de la présence. Il ne faut pas venir dire, ouais, il faut que tout soit sophistiqué. On fait tout comme si on était dans un concert mondain. Non, mais s'il n'y a pas sa présence, ça ne sert à rien. C'est vil. Il faut sa présence. Il faut sa présence. Frère, j'ai vu cette église grandir quand on était en plein air. Dieu nous a enseigné. Petit, il ne faut pas compenser, c'est votre petit vilain bâtiment là qui fait que les gens viennent. On est parti en plein air. L'église a triplé. Sous les bâches, vous étiez là. Sous les bâches, les gens sont venus. Ils ont laissé les églises climatisées. Ils s'agissaient en costume, sous les bâches, dehors, bénis. J'ai dit, hé, papa, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, c'est moi. Frère, les gens partaient de loin pour aller trouver Jean-Baptiste. L'onction, ce n'est pas simplement quelqu'un a été guéri. Je pars plus, plus loin que ça. Je dis plus loin. Je dis tu es ivre de Dieu. Tu es saturé de Dieu. Quand tu sors de la présence, tu dis non, plus jamais comme avant. Je reprends ma vie en main. Je repasse des manettes au Saint-Esprit. On doit gérer ces choses dans les voies du Seigneur. C'est ça l'onction de Dieu. Lève ta main vers le ciel, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. C'est lui qui l'a conduit dans le désert. Aucun sacrifice ne va. Aucun sacrifice ne va. Ce que le Saint-Esprit exige, déclare que tu le feras. Ce qu'il demande, dit que tu le réaliseras par sa grâce. Oh, lève tes mains vers le ciel. Élève tes mains vers le ciel. Rends grâce à ton Père, avec ton cœur, s'il te plaît. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Récotabonde saté. Rebosande kebrosa. Rando ketaba. Élève ta voix. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Oh! Là, tu révèles le divin qui est en toi. Le divin qui est en toi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Love.
je prie que... Je parlerai de l'importance de grandir dans l'onction, comment on grandit dans la grâce qu'on a reçue. Alors, j'ai dit à certains de mes fils, j'ai dit encore à Evra Nouvia hier, aux environs de minuit, ce qu'on parlait, que je ne travaille pas avec l'énergie physique, je travaille avec l'énergie spirituelle. L'onction te donne une énergie spirituelle. Je sais comment faire pour entrer dans cette énergie. Alors je la réclame, je la recherche. Quand je n'ai pas cette énergie, donc je ne suis pas à l'aise, je peux manifester le don de foi. Mais quand cette énergie n'est pas là, moi-même, il y a un inconfort dans lequel je me trouve. Mais j'aime travailler sur la fréquence de cette énergie. Alors quand cette énergie est présente, je peux enseigner 7 heures. J'ai enseigné à Paris de 21h à 5h du matin, non-stop, debout, avec cette énergie, avec laquelle tu pries sans t'arrêter. C'est une énergie spirituelle. Et c'est qu'il faut rechercher. Faut rechercher. On n'est pas des personnes, on n'est pas naturel. Non, honnêtement, on n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. On a autre chose. Il faut que ce autre chose-là se manifeste en toi. Je lève ma main vers le ciel. Je prie que Dieu t'amène à la dimension de l'énergie spirituelle. Au nom suprême de Jésus. Même dans tes rêves, Dieu te parlera. Dieu t'enseignera. Dieu te visitera. Ta vie dégage la fréquence du royaume par sa puissance. Au nom suprême de Jésus. Tu sors victorieux de tous tes combats. Par la grâce de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. 3 fois. Pas parler d'onction si vous n'êtes pas né de nouveau. L'onction, c'est quelque chose de tellement précieux qu'on ne peut pas le donner à tout le monde. Alors, je vous expliquerai lors du prochain message comment j'ai été souvent choqué à des réunions de voir des gens venir et puis dire, bon, reçois l'onction. Comment moi, je vais dire à quelqu'un qui sort du bar, reçois l'onction? Comment je vais donner l'onction à quelqu'un? Reçois l'onction. Est-ce que c'est tout le monde qui peut recevoir l'onction? Non, non. L'onction, c'est une denrée tellement précieuse que ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir l'onction. Alors, je parle de la mauvaise expression en tant que prédicateur. On a vu les gens le dire et on le dit. Ce n'est pas l'onction qu'on reçoit. On reçoit la touche de l'onction. L'onction nous touche, l'onction nous atteint, l'onction œuvre, mais l'onction ne reste pas en nous. Parce qu'on ne donne pas à nourrir les enfants aux chiens, ni les perles aux pousseaux. On ne va pas voir quelqu'un qui sort juste des bas et dit « reçois l'onction ». Non, 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 non. Non, la personne n'est pas de nouveau, la personne n'a pas droit à cette nourriture. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour les enfants. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est très important qu'on le comprenne. Très important. On verra aussi qu'est-ce qui se passe quand j'écoute un homme. Parce qu'il y a des moments, il y a des dimensions dans lesquelles certaines personnes parmi nous n'entrent pas parce que nous n'avons pas développé l'art d'attirer l'onction par l'oreille. Tu peux commander à l'onction de venir par ton oreille. C'est pour ça que dans le règne spirituel, ceux qui sont aveugles sont plus avantageux que ceux qui sont sourds. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu entends, tu peux finir par voir. Mais si tu n'as pas entendu, tu n'entendras pas. C'est pour ça qu'il faut avoir les oreilles ouvertes. On va prier pour déboucher les oreilles. Vraiment déboucher les oreilles. Que spirituellement, tu sois ouvert sur des fréquences élevées de Dieu. Pour comprendre. C'est très important. Très important. Très, très important. Et c'est ça aussi. Prendre un message, écouter une fois, et puis aller le classer. Tu ne peux pas avoir une nourriture comme celle-ci, et puis après tu attends le futur message. Ça va plus le temps d'écouter, de réécouter. Il y a des messages lesquels j'ai dormi sous l'oreiller, un truc de main, parce que je dois saisir ce message dans ses profondeurs. Je dors avec, je me réveille, je note, je prends, je prie, je vais saisir la parole. Je vais comprendre les mystères qu'il y a derrière. Je ne veux pas m'arrêter simplement à ce que j'entends. Je veux prendre ce qu'il y a derrière. Vous ne saisissez pas l'onction d'un homme de Dieu en l'écoutant simplement. Un jour, j'étais à la télé, je regardais avec ma femme, un de mes collaborateurs, j'ai dit, regarde celui-là. J'ai dit, il n'a pas mon onction. Elle m'a dit, aïe, comment tu dis ça? J'ai dit, lui-là,
n'est pas avec nous. Parce que même la manière d'écouter, quand je regarde dans tes yeux, je peux voir si tu entends. S'il y a quelque chose qui se passe, tu peux être à l'église et puis tu es là, c'est comme si tu es en train de dormir dans ton salon. Et puis tu penses que ce qu'on sort du pipi va faire, mais frère, tu aurais mieux fait de rester chez toi. Ma soeur, il y a une attitude spirituelle. Il y a une détermination spirituelle qu'on a. Quand on a face à la vérité, les choses de Dieu. La Bible dit, si tu me cherches de tout, de tout ton cœur, je me laisse trouver par toi, de tout ton cœur. Et la connaissance est la denrée la plus précieuse dans le royaume. Ceux qui connaissent, connaissent. Et ceux qui connaissent, en sont toujours élevés. C'est pourquoi dans la condamnation, on parlera de ça. Il faut connaître. Il faut connaître. Tu ne veux pas ton pasteur et puis un homme d'affaires vient te dire, ouais, j'ai un problème avec les impôts. Tu dis, bon, on va prier que Dieu aveugle les yeux des... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tu ne connais pas, frère. Il faut lui dire, il y a un pasteur là, il peut t'expliquer mieux. Parce que même si je prie, si le Saint-Esprit me parle de ça, je ne comprendrai pas les mots. Parce qu'il y a le langage de l'onction approprié au problème précis. Si tu n'as pas la connaissance naturelle, l'onction parle moins. C'est pour ça que l'onction allait chercher Paul. Parce que Pierre ne pouvait pas comprendre certaines choses. Il n'a pas compris, il ne pouvait pas comprendre. C'est un pécheur qui n'est pas allé loin. Donc quand on explique la justification, même le mot justification, il ne comprend pas. Il n'y a pas ça dans la pêche. Il faut aller chercher quelqu'un qui est allé dans la connaissance, dans la compréhension des choses. C'est ça, c'est important. Il faut connaître. Il faut connaître. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez maintenant. Grandissez. Soyez sans complexe. Soyez pas, un pasteur n'est pas comme un marabout. Sur le fétichon, on dit, bon, il n'est pas là à l'école. C'est pas ça. Un pasteur, c'est un représentant de Dieu. Il doit parler correctement. Il doit s'exprimer correctement. Ah non, je ne suis pas allé à l'école. Va à l'école maintenant. Va à l'école. C'est quoi ces histoires? Non, moi, je ne lis pas la Bible, je ne sais pas lire. Il faut lire. Il faut lire la Bible. Va à l'école. Apprends à lire la Bible. C'est quoi ces histoires? On est dans un monde contemporain. Est-ce que la Bible a été écrite? Si ce n'était pas important, on ne l'aurait pas écrit. Il faut la lire. Si Dieu qui t'a appelé ne peut pas te faire lire, alors tu n'as rien enseigné à quelqu'un d'autre. Tu n'as rien enseigné. Celui qui ne peut pas apprendre ne peut pas enseigner. Il faut t'asseoir. On a transformé nos églises en une assemblée de médiocres. Où les gens sont à un certain niveau et puis le pasteur va et puis joue le gourou pour étouffer les gens parce qu'on te donne une connaissance qui te dépasse. Tu commences à dire n'offense pas le Saint-Esprit. Quelle connaissance? Offenser le Saint-Esprit. On est en train d'offenser ton ignorance. Tu ne connais pas. Il faut apprendre. Donne-moi ton meilleur. Non, c'est important. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis? Parce que je ne veux pas qu'une amitié m'empêche d'être libre. À un certain moment, l'onction, tu dois être à part. Parce que si tu as beaucoup d'amis et que parmi tes amis, il y a un illettré, tu ne vas pas dire ça. Il va dire, tu m'as attaqué dans ton message. Donc, je préfère ne pas avoir des amis, hein, parce que quand tu commences à avoir trop d'amis, tu as un problème. Tu ne peux plus dire certaines choses. Donc, je préfère être seul dans mon coin, là, et puis, j'ai des relations, mais bon. Hey. Est-ce que je veux demander à quelqu'un, demandez-moi l'ami du ministère de Jésus. Qui était son ami du ministère? Il y avait des ministères. Il a compris. Ce ministère était tellement dur, il est resté avec ses fils. Ce n'est pas n'importe quel appel. Quand tu as un appel, tu dois comprendre ton appel. Tu dois comprendre ton appel. Jésus connaissait son appel. Il connaissait bien son appel. C'était tellement troublant que même Jean-Baptiste a demandé, est-ce que c'est lui? Elle dit que celui qui t'a recommandé se remet en cause encore ton appel. Tu comprends le type d'appel que tu as. Il y a des onctions qui dérangent. Ça dérange jusqu'à celui qui t'a recommandé. Il faut faire attention. L'onction, c'est mystérieux. Si tu ne connais pas l'onction, tu vas être frustré. Tu as dans le cœur les gens, même pas les gens. Non, les gens, comment les gens? On ne peut pas te comprendre. N'essaye même pas de te faire comprendre. On dit, tu es né de nouveau, tu souffres comme le vent. Tu vas comprendre le vent comment? Demande la couleur du vent. Tu as vu le vent? On entend le bruit. Il faut qu'on entende le bruit. Ce qui est important, c'est qu'on entende. On entend le bruit. Ah, telle chose s'est passée. Telle chose s'est produite. Mais il regarde, il ne voit rien. C'est ça. Il ne faut pas rester dans les affaires de petit niveau. Quelqu'un dit high level. Si tu ne comprends pas en langage, je sais qu'il y a l'esprit d'interprétation qui est high level.
Niveau élevé. Encore. Encore. N'aie pas peur de ce niveau. Les gens pensent que parce qu'ils viennent d'Abobo, ils sont de petit niveau. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu sais que quand Dieu veut t'élever, il te rabaisse? La personne qui est montée le plus haut est celui qui est descendu le plus bas. Allez demander à Jésus. Celui qui n'est pas allé dans les régions inférieures ne peut pas être monté au ciel. Donc quand Dieu te fait descendre sur terre, plus il descend, plus il va monter en haut. Que ton élévation arrive maintenant par l'onction. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Je voudrais appeler ici devant l'autel, c'est pour appeler quelqu'un au salut. Ah, je sens la grâce se localiser. Je sens une belle histoire de Dieu commencer avec quelqu'un. Une belle histoire. S'il y a quelqu'un qui est parmi nous, quelqu'une parmi nous, quelqu'un de connecté qui dit, je veux donner ma vie à Jésus. Lève ta main comme ça, je vais prier pour toi rapidement. Lève ta main, oulala, je vois beaucoup de mains. Fais-les venir. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Acclamons le Seigneur pour elle. Ces personnes. Quand tu en as clamé pour elle, merci Jésus. Thank you, Father God. La sorcellerie perd son emprise sur ta vie et ta destinée. C'est ce que j'entends le Seigneur me dire de te dire. La sorcellerie perd son emprise sur ta vie et ta destinée. C'est une nouvelle histoire qui commence. La puissance des ténèbres sur ta vie est brisée. L'alliance avec la mort est renversée. Je te ramène à les standards de la vie. Alors tu entends ma voix, tu entends la parole de Dieu. Avance devant l'autel, ne résiste pas. Viens ici devant. Dieu te veut pour lui. Viens ici devant. Avance pour le salut. C'est que si tu meurs aujourd'hui, tu vas pas au ciel, tu vas en enfer. Viens, avance. Nous t'attendons. Ne t'inquiète pas de ton avenir, ne t'inquiète pas de ton devenir. Je suis ton créateur. Donne-moi la possibilité de façonner ton futur. Je t'appelle à moi. N'endurcis pas ton cœur. Je t'appelle à moi. N'endurcis pas ton cœur. Dépends de moi entièrement. Et tu verras ma gloire dans ta vie. Dépends de moi entièrement. Cette parole s'adresse à une dame qui est dans la salle. Une dame qui est dans la salle, et enfin, une dame qui est dans la salle, le Seigneur te parle, dépend de moi entièrement. Ce n'est pas celle qui a avancé. Il y a une autre personne, dépend de moi entièrement. Dépend de moi entièrement. Dépend de moi entièrement. Fais-moi confiance. Je veux conduire ta vie. Je vais diriger ta vie. La puissance de l'aveuglement t'a plongé dans le désespoir et dans le chaos. Tu ne crois plus à ton avenir. Celui qui se confie en Jésus ne sera point confus. Avance devant l'autel. Dieu veut recommencer quelque chose d'extraordinaire avec toi. Avance devant l'autel. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la restauration. Avance devant l'autel. Dieu veut vraiment commencer quelque chose d'extraordinaire avec toi. Dans le nom de Jésus. J'ai entendu aussi le mot viol. Le mot viol. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu as été violé? Est-ce qu'on a voulu te violer? J'ai entendu le mot viol. Et puis depuis là, il y a quelque chose qui a basculé en ce qui concerne ta vie. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Je vais prier avec toi. Viens devant l'autel. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oh mon
Tu aimes Dieu, hein? Tu aimes Dieu. Mais en fait, tu es encerclé par la puissance des eaux. Les esprits des eaux ont vraiment miné ta vie. Tu aimes le Seigneur, tu viens à l'église. Et pendant que je prêche, tu prends la résolution. Je vais y aller. Mais dès qu'on va sortir d'ici, il y a une telle oppression diabolique sur ta vie. Et même la nuit, tu as des visitations des esprits de nuit. Viens devant l'autel, je veux prier pour toi. Viens devant l'autel. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Viens rompre totalement avec ça. Viens rompre totalement parce que c'est la grâce de Dieu, elle a pour te libérer. L'onction de Dieu, elle a pour faire basculer ta vie en autre palier. Viens devant l'autel. Viens rapidement devant l'autel. Je vais prier avec toi. Merci Jésus. Lève ta main. Viens devant l'autel. Alors, lève ta main droite vers le ciel, lève ta main droite vers le ciel, ici devant, et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, mon cœur est touché, pardonne-moi pour mon péché, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Seigneur Jésus, libère-moi, délivre-moi, je te donne ma vie, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, change mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Change mon cœur. Je m'abandonne entre tes mains entièrement, entièrement, entièrement. Change-moi. Maintenant, parle à Dieu toi-même, parle à Dieu en tes propres mots. 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 Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Jésus. Rababo sakata rababo sakata bro rababo sakata rababo ribabo sakata. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta puissance. En vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, en accord avec la Sainte Assemblée et surunie, je décrète, déclare établi sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que tu sois ici ou ailleurs, la manifestation dans ton cœur du miracle de la nouvelle naissance. Que Dieu te donne d'accéder à ce trésor unique, à cette dimension divine qu'il donne uniquement aux rachetés. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Et qu'à cet instant, le sang de Jésus te purifie, te purifie, te purifie de toute iniquité. Je parle et je conteste contre toute présence satanique dans ta vie. Je déclare à Satan qu'il n'a aucun droit légal sur toi, alors qu'il plie bagage et qu'il part au nom suprême de Jésus. À cause de l'engagement de ton cœur, que ta vie bascule en autre palier de rayonnement et de gloire. Qu'aujourd'hui, ce soit, avec ton consentement, par la grâce de Dieu, un nouveau départ radical des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et amen. On acclame le Seigneur, reçois ses fiches.